Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un nouvel épisode du French Plug Show. Alors hier, vous l'avez compris, on était 100% Nipsey Hussle, on ne pouvait pas faire autrement. C'était vraiment un événement super marquant. D'ailleurs, on va en reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé de parler de Nipsey Hussle. On va vous faire, voilà, on va vous faire l'avancée des choses, suivre avec vous. On va parler de Lil Pump qui a dit pas mal de choses ce week-end, comme quoi il voulait mourir, etc. On va parler de 6ix9ine aussi, parce qu'apparemment l'homme sera libre en 2020. De toute façon, on parle de tout ça tout à l'heure. On va faire un premier point avec les hashtags French Plug Show. Alors voilà, il y a eu du tweet. Alors il y a i-4mb qui dit, juste pour savoir, la Mad il snap avec un Wico pour sa qualité. Alors la Mad, est-ce que tu peux répondre J'ai eu un souci de téléphone et Balou a gentiment voulu me prêter son ancien iPhone 5. Voilà, donc il snap à partir d'un iPhone 5. Je savais même pas qu'on pouvait te mettre snap dessus. Ça tire, ça tire. Il y a Cathy-Denerias qui dit... La vie, à cause de vous, je déteste les week-ends, il n'y a pas de French Plug Show. Alors, on est désolé, mais on va faire quoi, Cathy? Carrément, on va faire des zappings le week-end. Comme ça, au moins, tu peux te regarder les meilleurs moments. Voilà, je te mets dans la merde, t'as un travail en plus. J'ai vu ça. Un travail en plus à faire. Il y a l'allemande Aimant 2, voilà, yes, qui dit « Yo, 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 il faut faire une review spéciale sur le son de Jay-Z Blueface. Là, ce son est incroyable, Blueface, future king de la West Coast. » Hashtag French Plug Show. Alors sur le son, il n'y a pas que Blueface, il y a aussi YG, il y a aussi il s'appelle comment, All Black, je ne sais même pas comment il s'appelle l'autre. Si je dis pas de bêtises, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Mais je pense que pour cette revue, on va laisser quand même Aima le faire. C'est le plus qualifié. T'es méchant, frérot. C'est le plus qualifié sur Blueface qui ne marchera pas avec Totiana. Donc, on a aussi le frérot Oplay qui a réagi sur Snap par rapport à notre vidéo d'hier. Écoutez ce qu'il a dit. Bon, alors on va parler de Nipsey Hussle, qui pour moi était, comme je l'ai dit, une légende de la West. Totalement. Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer. Ah, heureusement, il y a Balo. Hein. Génération, Balo, tu nous sauves la vie quand tu traduis les bails des States et tout, quand tu nous expliques la vie des rappeurs. Non, vraiment, tu dettes ça, Balo. Simer, Balo. Alors, au plaît, je valide, hein, franchement, tout ce que tu as dit, je valide. Mais moi, c'est Balou, pas Balou, frérot. Non, force à au plaît, force à lui. On est ensemble comme jamais, ça fait plaisir de voir que les gens reconnaissent le travail. Donc, merci. N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag French Plug Show. On a toujours le morceau de Louis qui est sorti, M-Moi. Là, on est en train de préparer le clip avec l'équipe de OTB. Donc, si vous avez des idées de clip aussi, mettez en commentaire parce qu'on fait tout ensemble. Et on vous le rappelle, le Aouda Gang Tour, ça arrive très, très bientôt. On est en train de réfléchir même à des dates aux Antilles, etc. On est en train de travailler sur ça. Donc, vous inquiétez pas, quand on commence le projet, vous nous connaissez. On va se donner à fond et on va tourner partout. Et on va faire les choses sérieuses parce qu'avec le Aouda, on va passer au niveau 2. Et il a bientôt une annonce à faire ici dans le show. Bientôt une annonce. Ouh. Qui arrive très très prochainement. Oulou. Restez connectés. Il va peut-être rejoindre le show. J'en dis pas plus, même si j'ai déjà dit beaucoup. Alors on va commencer avec Nipsey Hussle. C'est parti. Turn up. Alors on va parler de cette légende qui nous a quitté, Nipsey Hussle, légende de Crenshaw. Alors on a fait toute une vidéo hier. Voilà, on est revenu un peu sur tout ce qui s'est passé. On a parlé de la théorie du complot avec le reportage de Dr. Sebi. D'ailleurs, que Nick Cannon a dit qu'il allait reprendre le flambeau et qu'il allait reprendre le reportage carrément. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Nick Cannon, c'est l'homme qui présente Wild N Out. Il est acteur, il est semi-rappeur, il sortait avec Mariah Carey. Il se fait beaucoup attaquer sur ça dans Wild N Out d'ailleurs. Il y a eu pas mal de mouvements. Je pense notamment à The Game qui a réagi. Qui a fait une vidéo quand même qui m'a fait un peu de la peine, où on entend dans la voix qu'il est triste. Il pleure, je crois. Le mec, il pleure, il dit « Ouais, c'est ça que vous faites aux homies ?» Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des précisions sur les suspects, justement. ma voix part en couille. Et justement, Alisha, justement, je sais que tu voulais en parler des suspects. Oui, alors déjà, il y a un mec qui est recherché, il s'appelle Eric Holder. Et il y a un ami de Nipsey qui était présent sur les lieux, qui a témoigné par téléphone et qui a dit qu'en fait, il y avait eu une petite altercation entre les deux parce que c'était des amis de longue date et que Nipsey lui avait reproché qu'il avait snitch par le passé.
Et donc le mec, en fait, voilà, il serait reparti, il a pris son gun, il est revenu et son gun. Oh, oh, oh. Oh putain, désolé, non. Bosser avec des hommes. Hey non, non, non. Non. Voilà. C'est ce que t'as dit. On peut non, mettre... j'ai dit gun. Bref. Et donc ce serait ça. Mais il y a quand même encore une grosse part de trucs de complot. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnalités, beaucoup de comiques surtout, et qui avaient repris ça et qui avaient repris son tweet en disant ouais voilà en gros. Ride, enfin en gros il a dit ride for me si vous savez que voilà je suis kill par rapport à ce documentaire là, donc ça reste en lumière tout ça. Yes, on n'a pas encore vraiment de pré, enfin on a le suspect mais on sait pas vraiment si c'est lui, on attend encore plus de précision, il y a la LAPD qui est dessus, il y a tout le monde. Sachant qu'il y a d'autres suspects suite à ça, ouais. Et c'est la Matt qui va nous dire après pourquoi, justement. Mais il y a d'autres suspects maintenant. En gros ce qui s'est passé le soir, en fait ils ont fait un hommage en gros à un mémorial, ouais, c'est ça. En sa mémoire en gros. Et durant cette soirée où tout le monde était rassemblé autour de, voilà, de bougies, tout le monde a ramené sa bougie, etc. Voilà, vraiment rendre hommage et tout. Bah, il se trouve qu'il y aurait eu des coups de feu. Ouais. Il y aurait eu des coups de feu le soir de sa mémoire. Je trouve ça vraiment irrespectueux. Mais le problème, c'est que même la police n'a pas confirmé en fait. Rien n'a été réellement confirmé là-dessus. Et j'aimerais parler justement de ce genre de manque de respect. Souvent, ça arrive. Voilà, il y a quelqu'un meurt. Il y a voilà le mémorial. Mémorial, un moment justement pour montrer du respect à cette personne qui nous a quittés. Et il se trouve qu'il y a souvent de ce genre d'individu qui vient et bah, il profite qui fout la merde. Et c'est vraiment irrespectueux, je trouve. Bah, ça, en fait, il profite du rassemblement. Ouais. Il profite du rassemblement. Après, il suffit que ce soit les ennemis de la personne. Ils disent ah ouais, en plus, il l'admire, donc on va y aller. Et il faut préciser que c'était devant son store. Et que les bougies et les ballons qu'ils ont lâchés dans le ciel encore ce matin étaient bleus parce que c'était un creep. Ah, il y a ça aussi, il y a les trucs de. Est-ce qu'il y a des histoires de. Tu vois, on sait pas trop non plus ce qu'il y a derrière. C'est vraiment dommage parce que, comme elle l'avait dit hier, les chats, c'était 4 heures avant un rendez-vous pour justement parler de ce genre de choses. Ouais, pour dire peace, voilà, calmez-vous. Et le soir même. Mais ça a pas arrêté les gens. Parce que ce matin, ils y sont retournés, ils ont lâché des ballons, tout ça. Ça a pas arrêté les gens. De toute façon, ils vivent dans ça. Hein. Et il y a du monde qui a réagi par rapport à. Bah, ce qui s'est passé justement hier. Il y a Young Thug, il a mis un post. Enfin, ça a créé la polémique parce que je crois que les gens, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Il a dit que s'il était arrivé au magasin, bah, il aurait été accusé de meurtre. Enfin, il voulait parler du tireur justement. C'est quand même placé bizarrement. C'est placé bizarrement, mais c'est vrai que moi j'ai compris comme ça directement. Ouais, moi aussi j'ai compris comme ça, mais je me suis dit, il est con quand même. Oui, mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'il aurait pas. Enfin, il aurait risqué sa vie pour Nipsey, tu vois. Après, il y a du monde qui a réagi, j'ai vu Snoop. J'ai vu, comme t'as dit, il y a The Game. Y a tout le monde. Drake, tout le monde. Il devait faire un son avec Drake cet été. Ouais. J'ai vu qu'il devait faire un son avec Chief Keef aussi. C'est pas pour. Il y a Kevin Hart qui a réagi. Franchement, tout le monde. Il était bien avec tout le monde. Ouais. Même Beyoncé qui a mis une photo de lui quand il était enfant. Ouais. Et c'est triste de voir que tout le game se rassemble. C'est bien que si tout le monde se rassemble, mais c'est la raison pour laquelle ils se rassemblent, tu vois, c'est un truc de malade. Ouais, je suis d'accord. On a oublié de dire qu'il y avait eu une autre vidéo de caméra surveillance qui est ressortie du moment du shooting. C'est chaud, qui circule un peu partout. Voilà. C'est parti de TMZ, je crois. Ouais, TMZ. Elle est dispo sur Hollywood Unlock. Ouais, là, tu le vois tomber, tout ça fait mal au cœur. Après, il court, les gens. Moi, j'allais revenir sur ses ventes, parce que depuis qu'il est mort, malheureusement, ses ventes ont augmenté. Numéro 1 sur Apple Music, premier rang Swadist, Mover et Checkers. Et elle a beaucoup de. Et une hausse aussi de 504%, tu vois, ses albums sur les plateformes. Et moi, j'allais revenir un peu sur les basketteurs, vu que je suis le mec du basket. Quand j'ai vu Curry, et. En fait, il y a plein de gens qui ont tweeté, il y a plein de basketteurs qui ont tweeté. LeBron James, Nick Young qui avait dit Fuck tous ces rageux, Fuck ces jaloux. Enfin, tout le monde a. Voilà. Et j'ai vu le match en direct de Warriors qui ont joué. J'ai vu la réaction de Curry et Kevin Durant quand ils ont su. Que Nipsey était mort. Et franchement, c'est triste de ouf. D'ailleurs, j'ai vu que tu voulais lever la main. Ouais, précision, c'est plus de 2000% l'augmentation. Ouais. 504%, c'est que pour Victory Lab. Oui, voilà, Victory Lab, excusez-moi. Ok. Et en fait, moi, j'ai pas envie de rester sur une touche négative par rapport à Nipsey, puisqu'on en a parlé hier, c'était quand même pour raconter ça. On en parle aujourd'hui, c'est aussi pour raconter ça. Mais en regardant un peu, j'ai vu qu'il avait vraiment beaucoup de vidéos, des interviews, des trucs comme ça, où il parle de motivation. Je vous invite à aller checker ça. Et ce que je pense que je vais faire même, c'est essayer de trouver les meilleurs, les décrypter, et mettre ça sur la page en mode
voilà son message, puisqu'il a trop de messages. Sur quelle page? Je suis dit la page. La page French Plug. Ouais, French Plug, sur French Plug. Faut préciser, tu as dit, je vais mettre ça sur la page. Non, sur la page French Plug. C'est la page que tout le monde connaît. Non, sur la page French Plug. Il est sur un forum. Il est sur un forum, moi je mets ça sur un forum. Tu ouvres un sujet. Non, sur la page French Plug, parce qu'il y a trop de choses. Il y a celle, la vidéo que tu m'as montrée tout à l'heure, où il parle des chaînes, il parle pourquoi c'est important, mais aussi pourquoi ça vaut rien du tout, pourquoi il faut investir. Il y a la, du coup, tu vas t'occuper de la traduction et tout. Ouh, ça t'inquiète, j'ai une équipe derrière. Déjà, il dort pas. On est solide. Déjà, il dort pas. Non, mais c'est de l'humour. Et toi, du coup, Yoshi, t'en penses quoi? Mais ça me fait mal au cœur, en fait, que ce soit aussi tragique, parce que ça aussi, c'est des choses que j'ai pu voir de quand j'étais encore en Martinique. Dans certains quartiers et tout, il y avait des fois même deux potes qui s'embrouillaient et ça allait jusqu'à là. Mais comme je crois que c'est toi qui disais que c'est bien de voir que tout le game s'unit, mais ouais, c'est triste que ce soit pour ça. Et moi, je pense que plus que jamais, notre communauté a tous, on a besoin d'unité. On a besoin d'être vraiment solidaires, de se soutenir, de se porter. Donc si au lieu de réagir avec violence, on pouvait juste communiquer entre nous, juste nous traiter comme on aurait aimé qu'on nous traite, ce serait pas mal. Parce que j'ai vu, je sais pas si vous avez vu cette vidéo là, une dame en conférence qui disait à des personnes blanches, ceux qui ont envie d'être traités comme des noirs, levez-vous, personne se lève. Ben j'ai vu plein de noirs partager cette vidéo là, mais en partageant cette vidéo là, ça veut aussi dire que nous on prend conscience qu'il faut qu'on agisse pour notre propre cause. Donc je pense que ce genre d'acte ne devrait plus avoir lieu. Ok, yes. Bon, on va passer au prochain sujet. On va parler de Lil Pump. On va parler de choses un peu plus quand même qui... Non, quoique ça donne pas non plus le sourire. Mais il y a des trucs qu'il a fait, Lil Pump. Vous allez capter pourquoi je dis ça. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y a le Unpopular Opinion du Freyoshi. Restez connectés, on enchaîne avec Lil Pump. C'est parti. Bon, on va parler de Lil Pump. Skelet. Skelet, il fait tellement mal. Ouais, bon, c'est bon, je suis pas un professionnel du Skelet. C'est parti. Est-ce que je peux remettre la petite vidéo quand même pour que vous compreniez de quoi je parle? C'est parti. C'est parti. Bon voilà, c'était la vidéo de Lil Pump. C'est parti, voilà. Bon, on va parler parce que ce week-end, il a eu un petit élan de dépression. Il a mis un tweet qui disait qu'il voulait mourir, qu'il en avait marre, etc., etc. Je sais que c'est un phénomène qui arrive beaucoup en ce moment dans le rap. Il y a beaucoup de emo rappeurs qui sont dans ce délire-là de dark, dépression, etc. Je sais pas pour Lil Pump si c'était pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Parce que voilà, mais après je pense que son lifestyle est particulier. À son âge, être plongé autant dans la drogue, être aussi... Parce que en vrai, j'ai l'impression que lui, son sourire, il cache quand même un mal-être. Ok, il a tout ce qu'il veut, il a de l'oseille, etc. Mais pour prendre autant de drogue, de dire que t'es drogue addict, dedans vraiment à fond, je me dis qu'il y a quelque chose qui cache. Après, bon, il a eu ce discours-là, mais il faut savoir, en fait, je suis partagé parce que il y a peut-être ce côté-là que je vois de lui qui est, voilà, drug addict, qui a peut-être quelque chose à cacher. Mais d'un côté, il y a le côté aussi du mec qui est très smart. Il sait comment faire parler de lui à chaque fois, tu vois. Il crée une fausse embrouille avec Smoke Purp. Là, il fait genre, il va arrêter la drogue. Il reprend juste après, jamais j'arrête. Tu vois, il est dans un truc où il aime tout le temps faire parler de lui. Donc, il y a aussi ce truc-là. Maintenant, c'est vrai que la dépression est arrivée grave dans le rap. La première question, ça va être, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport dépression rap qui s'est popularisé, on va dire, beaucoup quand même avec ex
Lil Peep, etc., cette nouvelle génération, ou je dirais même à partir de Kid Cudi, carrément. C'est ce que j'allais te Kid dire. Kid Cudi plus, avec Kid Cudi, carrément. Et le deuxième truc que je voulais aborder, c'est j'ai regardé son Insta Story après, et après, il a repris son lifestyle, hein, il a lancé un strip club, voilà, il a tapé des fesses de meuf, enfin, pas qu'en strip club, il... je sais pas, il y a une vidéo bizarre où, dans son Insta Story, où il y a une meuf qui est penchée comme ça, il la tient, je sais pas ce qu'il a, touche sa jambe, et après, il lui met des tapes dans les fesses, on dirait elle va tomber, et voilà. Et je me dis, mais... Attends, il y a deux jours, tu voulais mourir. Ouais, c'est ça. Et là, le soir même, hein, tu vois. Le, ça veut rien dire. Hein. Vas-y, bah, je t'en prie, explique-nous ton point de vue. Ah, ça parle chinois, là. Ouais, ça, tu peux taper des fesses de meuf et voir. Non. Parce que donc, je réponds à ta question. Ouais, tu enfin, c'est une question générale. J'ai dit la dépression, les rappeurs, le rapport avec la drogue, etc. Bah, alors... on en reviendra vraiment tout à l'heure, ouais. Mais plus sur la dépression. Ok, bah déjà, la célébrité et la dépression, je pense que ça va de pair. Les gens, ils ont tendance à penser que parce qu'on a ou parce qu'on est riche, on n'a pas de soucis, alors que ça ne veut rien dire. Il y a des grands artistes qui se sont suicidés alors qu'ils avaient tout. Donc, c'est pas forcément synonyme de bonheur. Et en plus de ça, même si t'as et qu'avant ça, t'as une vie difficile ou t'as des soucis internes que t'as pas réglés, des complexes, des choses comme ça, ça fait qu'empirer. Et je pense que ouais, voilà, c'est plus un soutien moral. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se droguent pour oublier, déjà. Qui se droguent pour oublier, qui se droguent pour c'est pas vraiment de l'inspiration, mais c'est vraiment même pour que ça les aide à sortir quand ils écrivent. Enfin voilà, il y a vraiment de... Et c'est vraiment un souci. Dire tes arguments sur la drogue pour tout à l'heure, parce que je crois qu'il a un sujet sur ça, il me regarde mal, là, je le vois. Et... Balou, là, il est en train de tout dire ce qu'il va dire tout à l'heure. Tu joues à quoi, là? Ah, désolé, bah, je savais pas. Mais pour moi, c'est ce que j'allais dire de base, j'allais même donner quoi, des... Mais par exemple, dans son cas à lui... Ouais. Bon, moi, je on pense sait que comme c'est, toi. Un, c'est un, buzz, un mec qui fait du buzz ouais, et tout. Mais je pense comme toi. De quoi? Je pense que, ouais, et ça se voit que, vas-y, il a quand même un mal-être. Un quelque mal-être, part, ouais. Tu il, penses pas qu'il le fait que pour le buzzer? Non. Okay. Je pense que, enfin, même s'il le fait pour buzzer... Il y a quand même une part de vérité. Ouais. Ouais, ou que, ouais, je sais pas, ça se voit que, je sais pas. En fait, comment c'est tu sais totalement. Le feeling, c'est le fond, il y a un truc qui... Vas-y. Ok. Mais sinon, ça veut rien dire. Les plus grands, hein, il y en a plein qui sont suicidés comme ça, Ami One. Moi, je pense qu'il fait ça juste pour le buzz. Ok. Non. Voilà, parce qu'il voit que les autres rappeurs, enfin, qui sont dans le mode dépression, bah, ils le dépassent tous. Mm-hmm. Je pense à Juice WRLD, bah, comme ceux que t'as cités aussi, bah, ils sont largement beaucoup plus écoutés, pris au sérieux et tout, nanana. Et lui, il essaye de rentrer dans ce style-là, je pense. Et il veut se dire que, ouais, si je suis en mode dépression, les gens, ils vont venir m'écouter, tout nanana, me comprendre, je suis le jeune et tout nanana. Mais vas-y, lui, il n'a pas le temps d'avoir de la dépression. Lui, ça voilà. Veut dire quoi, il... ça ? Non, mais lui, il est à fond dans les trucs Xanax, Lean, tout. Il prend de la beuh, il fait genre qu'il allait arrêter, tout ça, c'est bon. Tu sais que l'addiction, c'est un, oui. c'est considéré comme une maladie mentale. L'addiction, être addict à quelque chose, ça traduit le fait que t'as un problème. C'est, je te le dis, hein. Genre, l'addiction, genre en fait, c'est pas le fait d'être accro à quelque chose, mais le syndrome de l'addiction, d'être addict à quelque chose, c'est déjà un pet mental de base. Non, non, mais pour Lil Pump, ça s'applique pas ce truc. On voit très bien que lui, il a pas une question de maladie ou de mal-être ou quoi. Le mec, c'est juste un jeune qui veut s'amuser. Il a tout ce qu'il veut. Et là, il a vu que son album. Il a pas trop vendu, donc il cherche tous les moyens pour faire parler de lui. Là, il n'y a pas de question de ouais, il veut mourir ou quoi. Il était en strip club, il était avec son argent, on le filmait, il jetait de l'argent partout. Tu sais le nombre de personnes qui sont suicidées et la veille on les a vues en soirée? Ça veut rien dire du tout, ça. Justement, il n'y a aucun signe. Les gens qui veulent vraiment se suicider, il n'y a aucun signe. Ouais, tu peux être en soirée, tu vois ta famille, tu es au resto, tu peux aller au strip club, tu peux appeler, rigoler avec quelqu'un, et apprendre qu'il est mort après. Hein. J'ai l'impression que là, tu sais pas quoi répondre. Bah, c'est pas ça. C'est juste que ça s'applique pas à Lil Pump. Tu me dis, ouais, il y a des gens, il y a des gens. Mais moi, je te dis que ça s'applique pas à Lil Pump. D'accord. Voilà. Moi, je pense que tous les rappeurs, ils sont dans la dépression. Parce qu'en vrai, t'as des tous, haters. Tous. Ouais. En vrai, je sais pas, t'as du clout, t'as tous les haters qui sont contre toi, t'as des fans qui te critiquent. Obligés dans leur carrière, en vrai, ils ont déjà eu une envie de dépression. Après, je vais prendre le cas, bon, c'est pas du rap, mais aussi hors rap, un basketteur qui s'appelle Amar Odom, qui avait tout gagné avec Kobe, il était champion. Il a fait au moins 11 AVC, il a fait des choses de ouf, il voulait suicider et tout, donc c'est vraiment partout, tu vois. Donc il a du cœur. Ouais, mais c'est personnel. Kardashian, après. Oui, voilà. Ça, oui. Donc c'est aussi le côté personnel qui joue, tu vois. Mais même si tu peux tout avoir, tu peux être seul, comme avait dit X. Donc en vrai, je pense que tous les rappeurs. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis assez dubitatif sur le. Dubitatif. T'as arraché la peau là. Je suis assez dubitatif sur. Non mais en fait, Lil Pump, à ce niveau-là en tout cas, j'arrive pas à le cerner. Il est à sa bouche. J'arrive vraiment pas à le cerner parce que
on va dire 50% des trucs qu'il fait, je dis vas-y, lui il se fout de la gueule du monde. Mmh. Et 50% d'autres trucs, je dis mais non, en fait, petit, il a un problème, tu vois. Mmh. Et je sais qu'il y a des, personnes qui sont dans le game depuis très longtemps et qui n'arrivent pas à tenir cette pression. Là, je me dis, il a 18 ans, enfin, c'est un jeune. Il est arrivé comme ça, il a pété d'un seul coup, il a tout d'un coup. Alors qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, qui n'arrivent pas à tenir. Et c'est là où je me dis, je pense qu'il a une pression qui est trop forte sur lui. Et peut-être que lui, il se met, ou que ses producteurs mettent, ou que même le public, tu vois. Parce que le public, ils vont te demander un album, tu vas rendre un album, il n'est pas bon. Là, c'est bon, je ne vais pas dire que l'album, il n'est pas bon, mais en tout cas, les retours qu'il a eu, ce n'est pas ce qu'il attendait. Du coup, il a une pression, il a des trucs. Ça, t'en as pensé quoi, l'album? Je suis un bâtard. T'es un bâtard de bon, vas-y, continue. Non, tu vois, donc je pense que c'est vraiment un petit qui essaye quand même de s'en sortir et tout. Après, bon, tout ce qui est drogue, on en parlera après. C'est un petit qui essaye de s'en sortir, mais qui a du mal. Je pense qu'il a trop de pression. Ils ont tous pété un câble. Justin Bieber, Britney Spears, Chris Brown. Genre, en fait, tous ceux qui sont venus tôt, il y a tous une période où ils pètent un câble. Ouais, c'est ça, je pense que ça dépend de l'âge. Vas-y, dis ce que t'allais dire. J'ai envie de vous dire, c'est pas forcément par rapport à la jeunesse. On en a vu aussi des plus âgés qui ont craqué, qui se sont suicidés. J'ai un exemple tout simple, Kurt Cobain. Mm. Donc, il n'y a pas une question d'âge, c'est plus une question d'entourage. Et enfin, de force mentale. Voilà, ouais. L'entourage compte. Il faut être écouté, il faut être entouré. Et très souvent, quand tu es dans cette situation de célébrité, tu penses être entouré, mais tu te retournes et puis tu vois qu'au final, c'est que ce que tu as autour de toi, c'est du staff. Ouais. Ouais, c'est tu vois, c'est mon manager, mon DA, et très souvent, tu risques de laisser ta ce qui est important, ta famille de côté, ce genre de choses. C'est souvent ce qui arrive. Je parle surtout pour les personnes lambda, c'est ça. C'est l'amour qui est plus autour de toi et tu tes sais amis, pas comment c'est passé, c'est vrai, c'est passé. Faut comprendre que ces gens-là ont une vie totalement différente je dirais même de la mienne, et c'est pas la même vie que la nôtre, quoi. Il faut essayer de comprendre et pas forcément leur tirer dessus. Voilà, forcément du cloud. Là, c'est bien. Mais là, pour le cas de Lil Pump. Pour le cas de Lil Pump, toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, non, t'as dit un cas général et je suis d'accord avec toi. Tout ce que t'as dit, je suis d'accord, mais sur le cas de Lil Pump. Le cas Lil Pump. Je sais pas. Ah, il est bizarre aussi. Voilà, il est 55. Mais comme elle l'a dit, voilà, exactement. Comme elle a dit, peut-être qu'en fait, je sais pas, quelqu'un lui a dit, ah, vas-y, c'est ce bull ce que t'as fait hier soir, vas-y, tape des fesses là. Ouais. Je sais pas. On sait pas. C'est sûr, on sait pas. Tout ça, en vrai. Mais là, vous savez qu'il est actuellement en embrouille avec un membre de gang de Chicago. Il lui a, le mec de FBG Young, il l'a menacé, il lui a dit, je vais te gifler. Et Lil Pump, il a fait une vidéo. Il a dit, tu veux me gifler, moi. Donc moi, je pense pas qu'il est il est en mode mal-être ou quoi que ce soit. Et moi, je crois qu'il est juste en mode clout. À fond et comme d'habitude. Hein. Ah, comme écoute, là, imaginons. C'est la première fois qu'il dit un truc comme ça. Imaginons maintenant, il est pas bien, il veut en finir. Chicago, direct. Ouais. Comment ça? Non, mais pas à Chicago mais pour non, sortir. Mais non, mais je plaisante, mais. Faut pas être débile pour comprendre que même si tu prends 6ix9ine, même si tu prends. Même Trippy, tu prends. Vous voyez quand même qu'ils ont ouais, mais oui, mal-être. Mais oui, moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je pense que plus t'es plongé jeune dans ce milieu-là, oui, plus c'est difficile. Bon, après, je pense que même le côté artiste, à partir du moment où on est un peu artiste, même qu'on est exposé, ben machin, on a tous quand même un peu nos. Oui, nos, bah oui. Et nos c'est casseroles, surtout, même c'est surtout en tant que, qu'humain, on a tous nos casseroles. Hein. C'est surtout donc, que les gens, ici, les gens oublient, table, les gens oublient que trucs, sur les réseaux sociaux, que ce soit les artistes ou nous, les gens, monsieur tout le monde, sur les réseaux, en fait, on poste ce qu'on a envie de montrer aux gens. Exactement. Donc. Il peut y avoir bien plus sombre derrière, mais si j'ai envie de poster une photo de moi où je souris, tu verras moi en train de sourire, pas ce que mon sourire peut cacher. Donc c'est pour ça Lil Pump, même si ouais c'est quelqu'un qui nous a toujours habitués à faire n'importe quoi pour attirer l'attention, je pense qu'il nous montre ce qu'il a envie de nous montrer et que derrière peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Ouais, c'est obligé, moi, je trouve. T'allais dire un truc ? Moi, je pense pas, j'y crois pas. C'est comme si vous me dites 6ix9ine, il est en dépression. Wow, il mais va il pas a bien. Mais il non, a mais quand avant même qu'il aille névroses. En prison, mais arrêtez. Mais là. Il a quand même des névroses, on est d'accord. Ok. Tu veux pas dire, tu peux pas dire qu'il a pas toute sa tête. Ok. De toute façon, personne n'a toute sa tête. Non, si, ouais, tu, peux ouais. pas tu vois par rapport à son passé, ce qu'il a vécu, ce qu'il est ou quoi. Tu comprends qu'il a des. Tu déclares forfait là. Qui a vécu ça? On a quelqu'un qui tient tête, à foutre. Ah ouais, waouh. Vas-y, si, si, là t'as déclaré forfait. Non, mais je suis pas d'accord. Là, elle a dit névrose, t'as dit, ah ouais, là c'est technique. Non, c'est pas technique. Névrose, c'est quoi? C'est pas. Wesh. C'est des mots, wesh. C'est des mots, oui.
T'es un bon. Bah ouais, Lil Pump, non, Lil Pump, il dit qu'il est en dépression. Il a du vernis rose. Déjà, les émos, ils mettent pas le vernis rose, ils mettent le noir. Regarde dans le monde du rock, pump et tout, punk et tout. Ils ont du vernis, ils ont des pics et tout, et pourtant ils sont là, ouais, je suis pas bien. Ouais, leur vernis, il est noir, il est pas rose. Dans tous les cas, on va laisser les gens. C'est bien, je suis content, tu t'as repris sur toi là. Je te sentais dans les cordes là. Jamais dans les cordes. Ah, t'étais dans les cordes. J'ai évité tout. Là, t'étais au 12ème round là. Non, mais j'ai évité tous les coups. Ah, t'évitais ? Ouais. Ah, ok, c'était une feinte. Ok. Bon, on va parler de 6ix9ine justement. Restez connectés parce qu'il y a eu du news sur 6ix9ine. On est ensemble. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un dernier truc. Vous vous souvenez que Lil Pump, c'est pour ça que je dis des fois, j'ai du mal à le croire. Quand il y a eu la polémique de Gucci, il a dit qu'il arrêtait Gucci. Et il y a 3 jours, il a fait une vidéo où il a dit que, à part Mayweather, il y a que Mayweather qui dépense plus dans Gucci que dans lui. Donc, je sais pas, moi aussi j'ai du mal à capter ce petit. Il est en mangement bas les couilles. Ouais, j'ai du mal à le capter ce petit. Bon, il est content là. Bon, bref, dans tous les cas, on va parler de 6ix9ine. C'est toujours le 6ix9ine Day, on est ensemble. Turn up! These bitches lost all sight, all and the no end. Fucking with them old boys, you gon' get fucked up. C'est parti. Et c'est parti, le 6ix9ine Day. Alors, on va parler de 6ix9ine. Alors, le mec est toujours en prison, fait toujours autant parler de lui. Sa baby mama aussi fait toujours autant parler d'elle, que ce soit par des photos, par des dires, etc. Mais là, on a eu son avocat qui a communiqué comme quoi 6ix9ine serait libre en 2020. Il a bien dit qu'il se bat pour que le mec soit libre en 2020. Donc déjà, il est potentiellement libre. Donc il sera potentiellement libre. Donc ça, c'est un truc qui est ouf, parce qu'on sait que son manager, lui, Shawty, a carrément plaidé coupable et prendra 15 ans. À côté, il y a lui qui va être libre, donc on se doute quand même que... Voilà, il y a de la snitcherie qui a eu lieu, donc ça c'est sûr. On a eu aussi un vocal qui a tourné de Shawty qui l'a appelé Ungrateful Rat, qui signifie... Rat ingrat. Voilà, exactement. Voilà, j'ai ma traductrice, hein, j'adore ce show, franchement, on est vraiment très très chaud. Et moi, ma question, elle va pas être vraiment basée sur 6ix9ine, elle va être basée plus sur le général. Est-ce que vous pensez que la prison, ça aide les carrières des rappeurs? Est-ce que vous pensez qu'aller en prison, ça aide? Bah, ça aide pas. C'est sûr, parce que t'es en prison, t'as pas le temps de profiter de tout ce que tu gagnes. Et en plus, tous les deals et tout, bah, tu les fais pas. Et j'ai des exemples. Enfin, ça dépend. Il y a des rappeurs pour qui ça peut booster, mais d'autres, non. J'ai des exemples. Young Thug, voilà, lui, juste avant On The Run, il est parti en prison pour un port d'armes. Les gens, il n'y a pas d'histoire dans le truc. On s'en fout, donc ça booste rien. C'est une perte de temps, limite. Voilà. Par contre, 6ix9ine, il y a toute une histoire. Donc, il y a une série carrément à la Power. Donc, les gens, bon, ça apporte des streams. Mais derrière, il n'a pas la possibilité donc d'aller en studio, de faire tout ça. Peut-être que à l'intérieur de la prison, bah, t'as le mental pour garder ta tête sur le rap. Mais sinon, c'est très difficile de s'en sortir une fois que t'es en prison. Ok, toi t'en penses quoi, Logan ? Je suis d'accord, tout dépend de la mentalité de la personne. Je prends le cas de Gucci Mane, il est sorti, il a travaillé son physique, son image, son business avec sa femme. Il était très ouvert sur les réseaux. Là, il a créé un site de vêtements avec sa femme, où il revend des vêtements déjà portés, utilisés. Donc oui, ça change. Ouais, sur Gucci, ouais, ça a Gucci. Changé. Après, oui, ça dépend des gens. Kodak Black, ça a boosté, mais négativement, le mec, physiquement, il a pas trop changé. Ça. Ouais. Et mentalement, il est fou, frère. Ouais, toujours aussi fou. Au niveau du... mais... En vrai, ça dépend de la maturité, je pense. Par contre, ça a continué de booster sa musique. Exactement, parce que à chaque fois qu'il allait en prison, il y avait une histoire de malade. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça dépend des histoires aussi. Ouais, voilà. Par exemple, PNB Rock, lui, il est allé en prison parce qu'il avait... Enfin, il avait de la drogue sur lui et quelques armes. Bah, les gens, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent. Okay. Donc, ça dépend de l'histoire, en fait. Alisha, t'en penses quoi ? Moi, la plupart du temps, je pense que ça booste. Ouais. Je vais donner des références à l'ancienne, désolé, mais quand on regarde Biggie et Tupac, c'est quand ils sont sortis de prison que ça a le plus pété. Mm-hmm.
Ice Cube, la street. Bref. Et donc ouais, et je pense aussi à l'engouement que ça met autour, mm-hmm. par rapport à Mélie, mm-hmm. par rapport à Teke, par rapport à Shmurda. En plus, Shmurda, il est censé sortir en 2020 aussi, donc ça veut dire on aura 6ix9ine et Shmurda. S'entendait bien au départ et plus maintenant. Départ, ouais. Voilà, exactement. Mais je pense que ouais, ça, en fait, ça met de l'engouement, ça met, je sais pas, on attend le truc, on attend de voir comment ils vont sortir, s'ils seront amaigris, pas amaigris, s'ils seront plus chauds, pas chauds, s'ils ont écrit pendant leur année où ils étaient pas là, etc. Mais je pense la crime aussi, ça lui a fait un buzz. Ouais. Libérer voilà. la crime. Mais ouais, je pense que c'est basé aussi sur le clout que la personne avait avant de rentrer. Mystérieux aussi. Parce que si la personne était en vogue au moment de rentrer, ouais. Si la personne, ça va, elle était déjà installée, elle était déjà un peu là et que c'est pas un truc de ouf comme il a dit Fauji autour, je pense que ouais, voilà, il va faire sa prison, ouais, voilà. La plupart du temps... Non, ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, pour Mysterio, ouais, lui, c'était un délire de cavale, c'était vraiment ouais, sur la cavale. Tu vois, ouais, c'est ça, the race. Ça. Ouais, mais ça a créé un engouement autour du non, carrément, mec. Carrément. Ouais, c'est ça, comme mais ça. C'est l'histoire, comme t'as dit, qui a fait. C'est pas la prison en soi, c'est l'histoire. Non, ouais, voilà, toute l'histoire. Du coup, t'en penses quoi, Emma ? Moi, je pense que franchement, ça dépend du nombre d'années que la personne reste en prison. Est-ce que toi, en tant qu'Emma Beer, tu t'es déjà dit je vais en prison pour buzzer ? Ouais, je me suis dit ça à un moment. Sérieux ? Quoi ? C'est ouf. Alors, Emma Beer, c'est son nom de rappeur. Ouais, tu t'es si dit je vais en prison pour buzzer ? Ouais, de ouf. Mais si personne sait, c'était qui Emma Beer avant de Ouais, mais en fait, ça aurait été quoi ? Ça aurait été genre, j'aurais fait une dinguerie de ouf. Genre, tout le monde se serait dit putain, mais c'est lui, c'est un ouf, c'est qui ? Après, boum, il rappe. Oh, il a sorti un album. Boum. Et donc après, tu penses que s'il a Jawad, par exemple, il fait un jeu vidéo ou quoi ? Attends, Jawad, c'est pas la même chose. Jawad ? C'est record, il prend 4. Il stream de ouf, là. Mais le pire, c'est que c'est vrai, il stream de ouf. Hein. Ouais. Bah après, faut que la musique soit bonne. Ouais, mais après, attends. L'album, il appelle, j'ai voulu aider. Elle veut placer un truc depuis tout à l'heure. Si tu fais un truc de ouf, tu vas prendre 15 ans. Non, pas forcément. C'est un truc de ouf, ça peut être quoi ? Regarde, un truc de ouf, ça peut être quoi ? Genre. Une usine qui pollue, genre tu l'as fait exploser, éco-terroriste. Et là, tu crois que tu vas prendre combien là ? Alors attendez. Avec le gouvernement à dos et tout, tu crois que tu vas prendre combien là ? Alors s'il vous plaît, moi je travaille avec lui, mais tout ce qu'il dit, c'est indépendant de sa volonté. Le mec va faire Tchernobyl. Enfin, c'est sa volonté à lui. C'est lui c'est... Et lui, il est Guadeloupéen, moi je suis Martinique. Non, mais c'est à l'époque d'Aima Beers, tu vois. Aujourd'hui, je referais pas ça, tu vois. Tu referas pas, t'as déjà fait exploser ? Non. Arrête, je transpire, Valou. Ah ouais. Non, j'ai dit... Il va y avoir une enquête sur toutes les usines qui ont explosé. Attends, et c'est lui le chef de projet là, c'est lui qui gère. Je voulais dire, je repenserai pas à ça aujourd'hui. Ok. Genre tu vois. Bon allez. Mieux sinon. Là il est déjà fou. Fred Flag il n'existe plus. Ok. Donc moi il transpire de ouf là. Moi clairement je pense que ça dépend. Ça dépend de ton orientation comme je disais. Est-ce que tu cherches ce clout là? Ouais. Ou pas, voilà, tout simplement. Si t'es un gangbanger et que tu veux que ton rap soit gangbang, gang. Tu sais déjà les catholiques, tu regardes sur Sportsman. Ahmed, t'as pas précisé, t'as juste dit orientation au début. Wow. Bang bang, dans le rap, bang bang. Toi, tu faisais du rap gangbang, toi ? Les concerts, c'était comment ? Tu ramènes ma meuf, je ramène la tienne. En featuring avec Jerry et Michel. Attendez, j'ai juste un truc que j'ai envie de dire. Tu viens de demander s'il faisait du rap gangbang. Moi, j'ai des vidéos du frérot. J'ai passé un week-end avec le frérot. Non. Oui. J'ai passé un week-end avec le frérot, voilà. Wow. Il a bu un peu d'alcool pour se détendre. Oh, parce que j'ai et pas il s'est mis à faire du rap. Non, tu mens. 16 ans. Malheur. 8 ans. Si vous. balance pas les punchlines. Il y a du teasing, voilà. Ouais. Juste si vous voulez la vidéo, mettez un commentaire. Je veux entendre l'Amad qui rappe. Voilà. Ouais. Si vous voulez cette vidéo, vous mettez un commentaire. Le ridicule ne tue pas. Voilà, c'est vous mettez un commentaire. Vas-y, donc du coup, le rap gang, vas-y. Le rap. Gang, bang, bang. Bref, ouais. Si c'est ce que tu cherches, ça peut t'apporter. Mais bon, t'es un peu has-been si tu fais ça. Mais ça peut t'apporter. Ça peut t'apporter. Mais en soi, t'as pas besoin de passer par la case prison. Voilà. C'est pas tout le temps le cas, en gros. Voilà, c'est pas une généralité. Il faut chercher un meilleur moyen, je pense. Comme Monopoly. Monopoly ouais. Oui, la case prison. La case prison. T'as dit prison. Bon, allez, c'est parce que j'allais passer à Yoshi. Allez, Yoshi. Waouh. Wow. Non, moi, je pense que ça booste pas forcément. Mais si pendant que t'es en prison, t'as la possibilité de continuer à être productif, je pense que ça peut t'aider à garder un certain statut. Je pense à Vibes Cartel par exemple. Ouais. Au moment où il est rentré en prison,
Ben c'est là en fait qu'il a le plus pété parce que il sortait des sons toutes les semaines. Ah mais est-ce que ça revient pas à ce qu'il a dit lui, c'est l'histoire quand même. Ouais, c'est ça, ça revient encore dans son jardin. Ouais, ouais non, en fait, malade lui. Il y a eu ça mais arrête de eu... mais ça fait des années. Non, ça fait des tu peux pas dire il y a eu ça, c'est tout ça, c'est ça. C'est mais c'est pas cartel. Je vais te dire. Vince Cartel, il est connu pour ça hein. Non, Stephen, c'est faux, tu peux pas. Quoi Vince Cartel est pas connu parce qu'il y avait deux cadavres dans son jardin. Non, deux, il y en a avant. Attends, c'est vérifiable ce que tu dis là, deux. Vince Cartel est pas connu pour cette histoire. Hein? Il était connu avant. Il était bien connu. Non, mais bien connu. Ah bon, attends, quand tu dis connu, c'est quoi? Attends. Quand tu dis connu, c'est quoi? Tu veux parler de Vince Cartel avec moi, t'es sûr? Attends, quand tu dis. Mais attends, mais il est malade lui. Et moi, je le connais. Hein. Et toi, je le connais d'où, moi. Hein? Moi, quoi? Attends, moi, tu sais qui je suis? Quelle année? Moi, j'ai. Attends, tu es le attends, je suis. Attends, attends, je vais te dire. Je veux ouais, dire, moi vas-y, j'ai une émission qui s'appelle Caribbean Plug voilà. Sur l'Instagram TV de French Plug. Donc voilà, qui date depuis combien de temps hein. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait combien de temps que je suis né aux Antilles? Hein? Hein? Réponds à la première question, mon frère. Ça existe depuis novembre, mais. Ok. Moi, et je suis né aux Antilles, ça fait 20 ans. Et alors, Vince Cartel, il vient pas de Martinique? Oh, 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 bah, déjà, je comprends pas. Je comprends pas. Mais là, c'est quoi le débat en fait là? Mais il quoi le débat? Il me dit que lui, il connaît mieux Vince Cartel que moi. Oui, bon, on va faire un quiz. On va faire un quiz. On va faire un quiz. Je te défonce. Demain, voilà, quiz Vibes Cartel. Mais là, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? Bah, du coup, moi, je disais que Vibes Cartel, quand il est rentré en prison et qu'il n'est pas connu seulement parce qu'il y avait des cadavres dans son jardin, au contraire, comme il était beaucoup plus productif qu'avant quand il était en prison, ça lui a permis de garder un certain niveau, de garder son public en fait. Et forcément, comme il était productif, bah... Moi, je pense que vous dites la même chose. Juste que lui veut dire, juste que lui veut dire, c'est que l'histoire qu'il y a eu autour de lui, ça lui a fait. Ça l'a fait propulser dans des sphères que, wesh, tout le monde, un mec, il a tué deux mecs dans son jardin, là, là, il y a des gens qui sont intéressés à son cas. Mais il sait très bien que Vibes Cartel était connu avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il a eu des gros sons avant, mais on va pas se mentir que cette histoire de meurtre et tout, tout le monde en a parlé, wesh, Vibes Cartel. Oui, bah, tu dis Vibes Cartel, les gens, ils disent, ouais, c'est, ouais il est en et prison, puis, il a tué, tu vois. Je voudrais souligner que c'est pas tout le monde qui est en prison comme Vibes Cartel. Hein. Voilà. Vu que c'est lui qui maintient l'économie de la Jamaïque, on peut le dire. Bah le mec il peut poser, je suis sûr que sa cellule c'est un appartement vrai que... Je crois avec Gucci aussi il avait ce délire là. Ouais. Il veut ramener... Non mais surtout qu'en plus c'est super commun en Amérique latine et dans les îles. Quand t'es quelqu'un et que t'es en prison, en vrai t'es pas vraiment en prison. C'est-à-dire que tu peux ramener des et meufs, surtout, tu peux trucs, enfin voilà quoi. Ça c'est pour le frérot Emma. Vibes Cartel et Shensea préparent un remix de Totiana de Blueface. Ouais j'ai entendu. Ok. Mais c'est un mix. Non, c'est un remix, t'inquiète. C'est un remix d'un son qui a pas trop marché. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Et on finit avec 6ix9ine. 6ix9ine, le retour de prison. Flop ou pas flop? On dit juste flop ou pas flop? Pas flop. Pas flop. Pas flop. Pas flop. Pas flop. Pas flop. Ah ouais! Et vous toi, êtes. Mais toi, t'as répondu? Moi, ça dépend du style de musique à faire. Mais je dirais, ouais, pas flop aussi. Ouais, mais dans tous les cas. Ça va faire un peu comme l'engouement qu'on parlait pour PNL. Ouais. Comme les gens, ils auront attendu son retour, son premier son, il va streamer son de toute manière. Son premier post Insta, il va faire 6 millions de vues en journée. Et son premier son va streamer forcément, qu'il soit nul ou pas nul. Après, les gens vont juger, mais ça va streamer quand même, parce que les gens l'attendent. Yes, on va passer à la chronique Unpopular Opinion du frérot Yoshi. On est ensemble, c'est parti, turn up. C'est parti pour la chronique du frérot Yoshi, Unpopular Opinion. Tu peux re-expliquer une dernière fois pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, pour les gens qui viennent de rejoindre le concept, alors, il y a un sujet. Vous donnez votre avis, l'avis populaire justement. Et nous ici, on va débriefer et trouver l'avis le moins populaire qui existe. C'était assez clair? Est-ce que c'est vraiment ça le concept? Je sais pas. Moi je donne juste mon avis. Il y a un sujet, on donne nos avis, on débat. C'est ça le sujet. C'est le concept. En fait, c'est les sujets populaires et est-ce qu'on pense qu'ils sont véridiques ou pas. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était assez clair. Est-ce que c'était clair? Bon, allez, vas-y, donne le sujet. Moi j'ai trouvé que c'était clair. Du coup, le sujet, c'est les artistes qui prennent des substances illicites ou de l'alcool pour stimuler. Leur respiration, en fait. Est-ce que c'est forcément nécessaire de prendre une substance quelconque pour stimuler son respiration? Je pense que c'est pas nécessaire, mais on va pas se mentir que ça a un effet. Genre, genre par exemple, un mec qui rappe sous ligne, il va pas rapper comme un mec qui est à jeun. Mm. Mais ça va pas faire toi quelqu'un plus fort. Ça va faire quelqu'un dans un autre mood, en fait. En fait, je pense que l'alcool, la drogue, etc., ça te met dans un mood que tu n'aurais pas quand tu serais sobre. Mais qui n'est pas forcément obligatoire. Si tu prends un mec comme Kendrick Lamar et un mec comme Future, tu vois, ils ont fait un son ensemble
qui a gagné Grammy, bah tu vois le délire de Kendrick qui est vraiment terre à terre, qui va parler de voilà de bah des choses, tu sens que lui il est dans son truc terre à terre, dans son délire, dans son univers à lui, et il l'a déjà dit en interview, il consomme pas, il fume pas. Et à côté t'as le futur qui lui est un peu plus lean, je me laisse aller, ceci cela, même si à ce qui paraît il a arrêté ces derniers temps pour son dernier projet, pour son dernier projet. Et tu vois déjà dans sa voix, tu l'entends, tu vois la voix, le timbre, le flow, le délire. Et puis quand tu regardes Coding Crazy de Future, tu vois exactement, tu comprends en fait l'univers. Quand tu prends de la codéine, les choses, tu les vois vraiment comme ça, au ralenti, en rose, t'es dans ton monde, t'es dans ton truc. Et voilà, je pense que ça change en fait. Ça change ton délire. Et en fait, pourquoi les gens trouvent ça cool? Parce que les jeunes, tout ça, trouvent ça cool. Parce qu'au final, voilà, tu parles de choses qui sont un peu interdites, de sexe, de drogue, d'alcool. Et ça rend le truc cool. Mais en soi, c'est pas forcément la bonne chose, tu vois. C'est le délire de la personne qui le fait. Après, il n'y a pas de bonne et de mauvaise chose. Mais je veux dire, pour moi, en soi, il n'y a pas besoin de drogue pour faire de la bonne musique. Il n'y a pas besoin. Mais en fait, je pense, pour rebondir sur ce que tu dis, comme ça te plonge dans un état qui est entre guillemets pas normal, parce que c'est pas comme ça que tu es de base, je pense que ça, je sais pas, ça crée quelque chose ou ça... Débloque. Ça te, ouais, ça te débloque quelque chose, et là, tu penses à des idées auxquelles tu n'aurais pas pensé avant. Moi, j'ai un exemple. Quand je dansais à l'époque avec Fodjé, à cette époque-là, je fumais un peu de weed de temps en temps et tout. Et on était aux États-Unis, on allait dans un grand battle de ouf et tout. T'étais où? Et on était aux États-Unis, à Los Angeles. Voilà, ouais, je l'ai dit tout le temps, voilà. Mais on était à Los Angeles et on s'entraînait tous les jours. On avait le battle, on s'entraînait de ouf. Et franchement, j'avais des mouvements. La vie de ma mère, même Fodjé était là, disait waouh, il a encore et tout. Genre, j'étais trop fort, vraiment. J'avais trouvé des mouvements de ouf. On a fumé comme des pompiers, aquarium de ouf et tout. On est arrivé sur la scène de l'événement et je dansais contre un mec, il était chaud de ouf. Hein, genre, au States, il était big de ouf et tout. Hein, c'était genre le battle et tout. Je suis arrivé, genre, normalement, tu jettes la pièce pour savoir qui nous fasse, c'est toi qui commence ou pas. Et il a même pas jeté la pièce, le mec, je suis allé devant, je dis vas-y, let's go, je danse. Tout le monde regarde, genre en mode, il fait quoi et tout. Et la vie de ma mère, je commence à danser, je sais même pas ce que je faisais. Je faisais n'importe quoi. Fodjé me regardait, il faisait ouais. C'était bien ou c'était. Non, c'était comment, Fodjé? Ouais, non, c'était pas ça. Déjà, quand la pièce, ça s'est retournée, je lui ai dit, Balou, c'est pas à ton tour, c'est à l'autre de commencer. Il m'a dit, lâche-moi. Il est allé au. Le son, il est même pas commencé, il commence à danser. J'ai fait wesh, mais je te jure. J'ai fait j'ai commencé à dire le soutenir, hein, tu vois, j'étais obligé. Hein. Je suis avec lui, j'ai commencé à soutenir. Tandis dès qu'il a fini, je l'ai checké. Je l'ai checké en mode. C'est un vrai pote. On va peut-être crever ce soir, mais vas-y, tranquille. Mais gros, j'ai perdu de ouf. Hein. Non, mais ouais, je sais. Je me suis fiché. Hein. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle à l'époque, je faisais de la radio et tout. Et comme c'était tous les jours et tout, fallait tous les jours trouver de nouvelles idées. Bon. Je le fais plus maintenant, mais à l'époque, ça, quand j'avais vraiment le syndrome de la page blanche, ça m'arrivait, je prenais un verre de rhum et puis là, je partais dans des trucs. J'écrivais, je trouvais des trucs pour 3 semaines à venir et tout. Et jusqu'au jour où j'ai dit un truc qu'il fallait pas à la radio, c'était du direct. Ouais. Et en fait, je crois que ce jour-là, j'avais voulu taquiner le boss de la radio. Oh ouais, mais j'ai baisé sa femme. Comme j'étais pas dans mon état normal, en fait, je l'ai taquiné sur un truc sur lequel il fallait pas taquiner. Du tout. Okay, j'ai capté. Et du coup, il a mal pris. Bon, je suis resté là, mais il a mal pris. On va faire un tour de table. C'est pour ça que t'es arrivé ici. Ouais. Ben moi je pense la même chose que toi. Hein. Après la drogue c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que ça te met dans des états que tu connaissais pas et du coup tu réfléchis différemment. Après Y a des vidéos toi d'ailleurs sous alcool. Ouais. T'as juste à taper Fodjé Choco bourré. Voilà. Sur YouTube et tu la trouves. Ce que j'ai à dire c'est que moi franchement alcoolisé, je suis très talentueux. Ouais. Franchement quand je suis alcoolisé, les idées elles vont encore plus vite que quand je suis normal. Après, je en sais. En fait, tu te permets de dire tout ce que tu penses. Voilà. C'est mais ça. En fait, c'est la manière dont. Ouais, la manière dont je le dis, c'est différent. Même mon timbre, il est différent. Ouais, mon timbre vrai. De voix, tout change. C'est vrai. Et quand je suis normal, c'est différent. Après, je peux pas l'expliquer et j'ai jamais, bu pour faire des vidéos ou quoi que ce soit. Non, jamais. Non, jamais. Il a bu et après il y a eu la vidéo. Ah, voilà. Il a pas bu pour la vidéo. Vrai. Voilà. C'est vrai. J'ai jamais bu ou fumé pour me dire ouais j'ai pas d'inspi ou quoi. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui en ont besoin et tout. Ça peut te mettre dans des états qui font que tu sors des trucs que t'aurais jamais sortis. Mais c'est pas nécessaire. Normalement.
ton cerveau, il a tout. Il suffit de creuser à l'intérieur et tu vas trouver. Bah moi, je rejoins Fodjé, c'est pas nécessaire. Par exemple, moi, quand j'avais 8 ans, je voulais faire du rap. Je vais faire du rap. Et du coup, bah, ouais, dans ma chambre, j'ai pris un dictionnaire et je regardais les mots. Donc, j'avais pas besoin de drogue, juste un dictionnaire et ça faisait d'affaires. Tu voulais faire du rap et... Logan style. Et voilà quoi. C'est, wow, c'est carré. J'avais des bonnes punchlines, tout ça, des bons trucs. Assonance, hyper beau et tout. J'ai des vrais trucs. Mais ce qu'il vient de dire, c'est intéressant parce que, en vérité, non, mais en vérité. Si, au lieu de te droguer, va t'informer et puis la suite va venir. C'est vrai, c'est vrai. Il délivre. C'est vrai. Cultive-toi. Ouais, non, c'est vrai. T'es un bon. Ok, du coup. Moi, à contrario du fait de. Micro. Ah, d'aller chercher d'autres idées, etc. Je pense que c'est plus que ça désinhibe. Dans le sens où, par exemple, les gens timides ou les gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments, etc. Vu que ça rend moins timide, ça machin, il y a plus de facilité à s'exprimer. Vas-y, non, t'inquiète, il danse le charreau là, vas-y. Ah, il danse le charreau. Ok. Vas-y. Mais c'est pas une bonne chose. Don't do drugs. Don't do alcohol. Mais ouais, et même moi qui fais un peu de musique, c'est vrai que l'un des meilleurs textes que j'ai écrit, j'étais un peu fonce-car hein, quand je l'ai fait. Mais. Tu fais de la musique du coup? T'arrives pas à tenir un micro en face de ta bouche? Fonce-car? Ouais, désolé, défoncé. Et arrête de faire genre, tu sais pas, tu m'énerves ton style là. Non, parce que moi j'ai des vidéos toi aussi qui chante. Oh non! Un featuring avec la mad attitude. Ah ouais! Ah, y'a un gros featuring. Ah ouais, lourd. Ah ouais, ça sort quand? J'ai tout gardé moi. Ça sort quand? Moi je fais quoi? Je vais dans les soirées, tout le monde est bourré, moi je me bois pas, et je filme tout le monde. Ouais, mais t'as gardé tes skills de producteur. Business partout. Non, c'est déjà, je faisais des mélodies et t'as vu que j'étais shoot. Oh, ok. On va laisser. Non, c'était bien, c'était pas mal. T'as vu un potentiel. Non, moi je m'en souviens qu'il a dit ah ouais, ils sont bien les vibes. Hein. Ah, tu veux pas dire. Moi je fais pas le mariage, je vais sortir la vidéo tout de suite. Lui il chantait bien, lui. Arrête. Tu veux que je te donne une petite. Ouais, un solo de compas. Arrête. Mon bébé. Il disait le prénom et tout. 9 mois, mon bébé. Wow. Vas-y, Emma. Moi j'ai un. Mais ouais. Wow. Calme-toi. Non, mais en gros, je prenne pas, faut pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Bon, tu l'as dit, hein, Ouais. Donc, ouais, vas-y. Moi j'ai un avis bien tranché dessus. Un peu comme elle. Une fois, on m'avait drogué à mon insu, encore une fois. Et j'étais parti. Comment ça vit, toi? Et j'étais parti dans un open mic. Et j'avais été chaud de ouf. Ah oui, c'est vrai que t'étais rappeur. Ouais. Et dans l'open mic, j'avais été chaud de ouf, je te jure, genre j'avais mille feux. Mais est-ce que c'est toi qui croyais que t'avais été chaud ou c'est les gens qui t'ont dit que t'étais chaud? Non, les gens ils m'ont dit que j'étais chaud. Parce que quand t'es bourré, tu crois que t'es chaud. Et... Non, il a dit qu'il a mille feux. Non. T'as mille feux. Les gens ils m'ont dit quand que j'étais chaud. Mille feux, c'est comme à l'usine. Non, les gens ils ont vraiment dit que j'étais chaud, ils étaient là en mode waouh. Okay, non, ouais. C'était vraiment chaud. Non, c'était vraiment chaud. Non, pour de vrai, c'était chaud. T'as des vidéos? Hein? J'en ai, mais t'inquiète. Attends, mais parfait. Moi, ma question, c'est t'as été drogué combien de fois? Pas mal. Mais vas-y. Enfin, à mon insu, ouais. Soirée satanique, open mic. Il a dit pas mal. Ok, pas mal. Vas-y, continue. Bref, et après, j'ai essayé de rattraper ce niveau que j'avais à l'open mic. En te droguant encore? Hein? En te droguant encore? Non, sans me droguer. Ouais. Et j'ai jamais réussi. Enfin, j'ai jamais réussi, mais j'y arrivais pas. Ouais. Et en fait, ça m'énervait de me dire qu'il fallait que je prenne une substance, justement pour être plus fort. Ouais. Et du coup, j'ai taffé, jusqu'à ce que je puisse atteindre le niveau que j'avais à l'open mic, tu vois. Et en fait, direct, tu rencontres une Dragon Ball, frère. Non, mais attends, non, mais en fait, je t'explique. Il est parti dans la montagne, il s'est entraîné. Il est dans la salle du temps Je pense qu'en fait, les drogues, en fait, ça, comme on dit depuis tout à l'heure, ça permet de mettre dans un mood. Mais je pense que ce mood, on peut l'atteindre justement sans ça, il faut juste taffer, tu vois. Bon, du coup, on a le frérot qui a donné son avis, le brûleur d'usine. À ton tour. Donc, moi, clairement, ma vie le montre. Tu n'as pas besoin de drogue. Ma vie, elle est folle sans drogue. J'ai de l'inspi sans drogue, vous avez vu. Il n'y a pas besoin de drogue. Je suis vraiment pas pour. Ok. Mais voilà. Toi, est-ce que la drogue, ça te donne des inspi? Pas besoin. Ah, oui, je regarde ma vie. Tu t'es jamais drogué? La drogue ou l'alcool, genre moi par exemple, je t'ai vu sous alcool et j'ai vu que t'avais beaucoup d'inspi. Ouais, mais cet inspi là, j'aurais pu l'avoir sans alcool. Ah bon? Ah ouais, clair. Donc tu peux nous faire là par exemple. Arrêtez. Tu peux nous faire mieux même là. Mon bébé. Et en plus, je pense que sans alcool, j'aurais fait mieux.
Non, c'est de la voix en tout cas, parce que c'était Zbeul, wesh. Mais t'as... sans la. Sans... Non, il y avait des petits vibratos. Ouais, ouais. Ouais mais... si, il y avait si. Des petits vibratos quand même. J'aurais fait mieux. T'avais les... T'étais dans des octaves et tout. Je t'ai vu les yeux fermés. T'avais les yeux fermés dans la vidéo. Je sais que les gens ils vont la demander la vidéo. Ouais, faut que tu la fasses, mec. Je pense qu'il faut que tu la liques. Hein. Clairement, ça me dérange pas de la mettre. Je suis quelqu'un qui aime la vie et je n'ai honte de rien. T'as dit quoi ? Il y a l'extrait 14 secondes bien. Tu veux qu'on mette celle de 14 secondes ? Allez, on va mettre celle de 14 secondes. Ok, c'est parti. On vous met la vidéo. Vous nous dites ce que vous en pensez. Départ, 16 ans, cauchemar, 18 ans, pas le temps de voir tout, c'est crevard. Quand même, t'étais quand même assez inspiré sur la vidéo. J'ai kiffé. Oui, mais j'ai pas besoin d'alcool, c'est pas bien la drogue. Mais t'as eu un réflexe bizarre, t'as voulu prendre la tasse pour boire quand même. Là, je viens de voir. Bon, allez, Yoshi, c'est toi qui as donné le sujet. Bah oui. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Sur le sujet. J'ai fait un truc de il a fait quoi, il a fait quoi, il a fait... C'est ok. Yoshi, d'accord. Ne consomme pas de drogue, toi. Voilà. Non, du tout, mais du bon, tout. Bon, là, vu qu'hier c'était le 1er avril, on n'a pas pu parler vraiment du 1er avril. Yes. On va faire justement un petit bilan rapide de vos pranks ou de vos 1er avril, les pires et les meilleurs. C'est parti, on fait ça tout de suite. Salut. Toi, t'as une minute faute aujourd'hui ? Bon, alors, le 1er avril, vous connaissez le concept, c'est pas la Saint-Valentin, c'est le poisson d'avril. Donc, je suis obligé de préciser parce qu'il y en a qui confondent, tu vois. Et du coup, le 1er avril, on se fait des blagues qui... Bon, il y en a qui sont marrantes, il y en a qui sont pas marrantes, la plupart sont pas marrantes. Mais quelle est la pire blague ou le pire prank qu'on vous a fait pour le 1er avril ? La tête de Logan, on va commencer par Logan, vas-y. En fait, c'est pas vraiment un prank. Déjà, je voulais dire un truc, j'aime toutes les meufs, j'ai rien contre vous, je vous adore. J'aime votre physique, enfin... Bref, okay. En fait, je sortais avec une meuf qui était très belle, qui avait des beaux cheveux, comme j'adore. Et un jour, il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. C'est-à-dire qu'on a fait des choses. On a couché ensemble. Et sur le coup, en fait, j'étais énervé. Et j'ai pris ses cheveux pour, tu vois, dans le truc, tu vois, t'es dans le truc. Et j'ai arraché, en fait, et j'ai vu que c'était pas sa vraie coupe de cheveux. Et elle avait un dégradé. Et ça faisait 3 ans qu'elle m'a fait comprendre. Depuis 3 ans, on se connaît et on est sortis longtemps quand même ensemble. Et depuis 3 ans, depuis que je la connais, en fait, elle a des cheveux. Donc en fait, tu t'es sorti couillé. Voilà. C'était un prank. C'est pas un poisson d'avril. À partir du moment où tu te sens couillé, c'est un prank. C'est pas un poisson d'avril. Elle a pas fait de faux blagues poisson d'avril. Ouais, elle me l'aurait dit. C'est un prank. C'est un prank de 3 ans. C'est un prank à long terme. Il a dit dans les vidéos Comment séduire ou la Saint-Valentin que pour lui, les cheveux c'était important. On te rappelle pas. Quand t'as dit, ouais, qu'est-ce qu'il te faut, il a dit, bah, faut qu'elle ait des cheveux. Peut-être que justement, elle t'aimait et savait qu'elle allait te perdre si elle disait qu'elle a pas de cheveux. Mais moi, j'accepte. J'accepte. Mais c'est pas un prank. C'est un prank, gros. Bon, vas-y. Ça a été quoi ton réaction? Vas-y, Fodje. Moi, c'était le 1er avril. Ouais. Donc, bah oui, Fodje, c'est le concept. Voilà, donc je parlais avec mon ex et je lui ai fait croire que j'allais vivre au Mans. Au Mans? Ouais. Pourquoi? C'était le 1er avril. C'est quoi? Okay. Ça, c'est ton meilleur prank que t'as fait? Bah, elle a pleuré de ouf, hein. Et à l'époque, tu l'as laissé pleurer ? À l'époque, j'étais puceau à cette époque-là. Mm. Et c'était pour obtenir justement le truc. Et du coup, ça Oh, vas-y, t'es un bâtard. Non, ça a couché avec elle grâce au prank ? Ça a pas marché. Ah, ok. Ça a pas marché et du coup, on s'est séparés une semaine après. Ok. Ouais. Bon, bah. Tout ça à cause du Mans. Ouais. Et t'as vraiment été au Mans ou ? Non, c'était un mensonge. Ok, c'était un mensonge. C'était en fait pour voir si elle m'aimait et. Elle m'aimait de ouf. Ouais, elle a pleuré. Après, on s'est vu. Elle a dit, pourquoi tu te fous de ma gueule et tout. Nanana. Je dis, mais c'est le poisson d'avril. Elle a dit, ouais, mais vas-y, t'es un gamin. Et voilà. Du coup, toi ? Moi, c'était. Déjà, elle a été smart parce qu'il m'a piégé de la nuit du 31 au 1er. Ouais. Hein ? Hein ? Non, la nuit du 31 au 1er. Il est con, lui. Techniquement, ça fait pas 2 jours. Il est con. Oh là 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 là, Eric Judor. Enfin, bref, en fait, je sais pas, c'était le 1er ou 2. Ouais, ouais, vas-y. Et c'était un ex à moi, le même qui m'a fait des misères là. Ouais. Et c'était juste après, l'attentat de Charlie Hebdo, je crois. Oh, ouais. Ah ouais, 2015. Bref, ouais, non, 2015. 15 au moins. Ouais. Ah bon ? Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me disait, ouais, là, je suis dans le RER B et tout. Et y a des mecs qui sont rentrés et ils sont mis à tirer. Oh le bâtard. Et genre, je suis blessée et tout. Et on est coincé entre le tunnel de.
Saint-Denis, Gare du Nord. J'ai dit jure et tout machin. Et il m'a vraiment fait croire que c'est vrai. Et vous savez ici que je suis bonne cliente, je crois à tout. Résultat, je suis descendue en bas. Mon daron, il était dans le salon. Je l'ai réveillé. Papa, papa, il s'est fait tirer dessus dans l'herbe et tout. Non, 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 je mettais mes chaussures. Mon père, il dit tu fais quoi? Tu vas où? J'ai dit oui, je vais le sauver. Et truc de ouf, hein. Toi, tu voulais le sauver? Ah ouais, toi, t'es un... Toi, tu aurais arrêté des terroristes. Je sais pas, toi. Non, mais c'était par amour. Ouais, t'as ouais, c'est mignon. Bref, par amour, c'est mignon. Après, mais c'est un bâtard. Après, tu l'as dit quoi? Mon daron, il s'est vénère et tout, hein. Genre, c'est parti loin. Bah, mais c'est normal, c'est bah, abusé bah ouais, quand même. Il est allé loin, lui. Ouais, j'ai pleuré et tout. Et après, il m'a dit, mais non, mais c'est faux, poisson d'avril et tout. Oh, mon monsieur. Oh, le bâtard. Bon, je pense que là, ça va être un poisson d'avril plus ouvert. Je pense que tu t'es fait droguer, t'as brûlé une usine. Vas-y. À son insu. Jonathan, frérot, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un message, s'il te plaît. En fait, tu vas capter. Ça commence trop. J'ai peur. J'ai peur. Et comment ça commence là? J'ai peur d'où? J'ai peur d'où? Ok, donc en fait, quand j'étais plus jeune, Arrête le gun. La perte. Ok, vas-y. En fait, quand j'étais plus jeune en Guadeloupe, on faisait souvent du vélo avec mes cousins. Tu toi, vois. T'as tout fait, pêche, vélo, ouais, bicyclette. On faisait tout. Roller, tout. Et il y avait un morne à côté de chez moi qui s'appelait le morne Lolo. Tu vois. Mais c'est explique, c'est quoi un morne pour les gens? C'est une montagne en fait. C'est une petite une montagne. Mais celle qui était à côté de chez moi, genre, en fait, on allait là-bas à vélo parce qu'il y avait une grande descente. Tu vois. Ça durait vraiment longtemps, tu vois. Et c'était le 1er avril et en fait, on devait aller en ville. Mais normalement, quand on va en ville, on passe jamais par là, tu vois. On passe par là que qu'on veut faire les fous, tu vois. Et c'était le 1er avril, j'ai fait quoi? J'ai retiré les freins du vélo de mon cousin. J'ai retiré ses freins. Vraiment un truc de bizarre, et ça. Après, on est parti au Mont Lolo. Et en fait, non, en fait, ils sont partis devant. Et ils ont dit, ouais, on passe par le Mont Lolo. Et moi, j'essaie de les rattraper en mode, non, les gars, non, hey, je, non te, je te vois trop en vitesse 1. Tu paniques. En gros, c'est paniqué de ouf. Non, faut pas passer par là et tout. Et en fait, la sortie du monde est juste après chez moi. Ah, il a jamais réussi à arrêter, hein. Ah, gros. En fait, le monde, en fait. Il est arrivé dans la plage direct. En plus, c'est pas tout. Non, c'est. Eh, gros, le pire, c'est que c'était même. C'est dans les grands fonds. Ah oui, ah ça oui. Ça veut dire, c'est. J'habitais dans les grands fonds, j'habitais à des endroits où il y a que des montagnes. Ça veut dire que. Il a pris un virage, il est tombé en bas, mais il s'est cogné sur un arbre. Mais genre. Il s'est cassé mais, un truc. Mais il a rien eu de très grave, quoi. Non, en fait, s'il avait pris le virage juste avant, il serait mort. Ok, et ça c'était ta blague quoi. Et depuis ce jour-là. Cassé quelque chose et tout. Ouais, c'est cassé. Genre pendant, je sais pas, pendant 2 mois, il pouvait plus marcher. Et après, t'as dit que c'était toi qui avais enlevé moi, les freins. Moi, je lui dis direct. Bah en même temps, il pouvait rien te faire, il était jambes cassées. Ouais, bref. il a fait ouais. Je lui dis direct, et après, quand je suis allé le voir à l'hôpital, il a commencé à crier. Genre, les infirmiers sont venus, ils m'ont sorti de la chambre, et depuis ce jour-là, il m'a plus jamais capé. Et ça, c'est. Alors, vous parlez plus là? Non, c'est pour ça que je lui ai dit envoie-moi un message. C'est parce que je sais qu'il regarde nos vidéos. Sa sœur, elle m'a dit qu'il regarde nos vidéos. T'es un bâtard. Ok, Jojo. Ouais, c'est pour ça que j'ai il dit. Il voulait pas faire ça. Ouais, franchement, si tu vois cette vidéo, envoie un message. Il était prêt à brûler des usines, pardonne-le. Bon, ça en tout cas. La mat, du coup. Alors, moi, c'est pas forcément le jour même, mais c'est. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai des grands frères. Et j'en ai un, il aimait bien faire des trucs hardcore, tu vois. Et on avait un voisin dans notre bâtiment qui habitait au premier, qui s'appelait Nartotos. C'était le nom qu'on lui avait donné. Tu vois, le fou de la cité qui fait des... Ouais, il y a toujours un Nartotos. Voilà. Mon frère, il prenait des pierres avec ses potes et il jetait sur sa vitre, tu vois. Et moi, mes cousines, on commence pas. Elodie, qui était venue justement de Lyon pour venir me voir et tout, machin. Et on se baladait, mon frère, il passe avec ses potes, il pète sa vitre. Il crie par la fenêtre, Nartotos, nanana, comment on dit noir en arabe déjà? Bref, Carlouche. Carlouche, machin, non? Crêle et tout, machin. Et moi, je passe. Du coup, je rentre dans le bâtiment pour aller prendre l'ascenseur. Je suis pas au courant de ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est ça le prank. Mais c'est ce qui va se passer après qui part en couille. Attends, c'est pas un prank là? C'est un peu. Bon, vas-y, continue. J'arrive c'est une histoire classique, quoi. Vas-y. Ça a pas été organisé? Non. Bon, vas-y, continue, vas-y. J'arrive dans l'ascenseur et il y a sa femme qui est dans l'ascenseur, tu vois. La femme de Nartotos. Voilà. Je monte dans l'ascenseur. Chaud. Bah, elle met une grosse flégie. Une grosse flégie, hein. Ouais. Tac, je suis là, genre, et je regarde ma cousine. Steven est doux. Je sais pas ce qui se passe. Bah, on monte chez moi, je dis à ma cousine, tu dis rien. Tu dis rien à personne. Bah, mais pourquoi va ma mère direct. Ma mère, je vois ma mère qui arrive. Et t'as vu ma mère comment elle est? Ouais. Petite et tout. Elle sort avec un couteau et tout. Et la folle, elle vient sonner chez moi. Ouais. Elle vient sonner chez moi pour se plaindre, alors qu'elle m'a mis une flégie et que j'ai rien à voir avec l'histoire. Ma mère sort avec le couteau. Je vais te niquer ta mère. Je vais te planter moi aujourd'hui. Ta ta ta. Et tout le monde la retient. Madame là, lâchez-moi. Je vais te planter aujourd'hui. Tu vas voir. Wow. Toi là ce soir t'es morte.
qu'elle a menacé et tout. Attends, c'était lourd. Oui, où, d'accord, ok. Attends. Il n'a pas compris. Juste, je crois que Logan et toi, vous n'avez pas compris ce que c'est comme ça. C'est juste ça, c'est... Vous vouliez passer des messages, je sais pas. Tu voulais peut-être adresser à Nartotos, je sais pas, mais... Vous avez pas compris le concept du friend. Non, moi, franchement, Logan, je peux comprendre. Non, senti... arrête Mais si, il s'est senti couillé. Mais oui, moi aussi, je me suis senti couillé, c'est pas moi qui ai jeté la pierre. Ouais, bah... Bon, allez, Yoshi, c'est Yoshi. Pas pareil. Yoshi, ton prank, du coup. Moi, ça remonte déjà au lycée. J'avais une pote qui, justement, pour le poisson d'avril, voulait faire croire à sa mère qu'elle était enceinte. Ouais. Histoire classique, tout le monde a déjà fait ça. Non, mais ouais, vas-y. T'as jamais voulu faire croire à ma mère que j'étais enceinte. Moi non plus. Hein. Par contre, t'as eu un truc un peu similaire. Mais Oh vas-y. Après, tu vas être... Elle va être en sueur après, j'ai rien. Et la gestion, il pète un câble. Désolé, mais vas-y, c'est trop loin. La gestion, il pisse des oreilles. Vas-y. Et du coup, elle décide de me mettre dans la confidence, en fait. Donc ça part loin, ça part de faux tests de grossesse et tout, positif, tout ça. Et genre, elle arrive chez elle et elle me dit, viens chez moi, tu vas jouer le rôle du gars qui m'a mise enceinte. Ouais. Naïf comme je suis, j'ai dit ouais, vas-y. Tu avais déjà couché avec elle? Non. Tu voulais coucher avec elle? Non plus, mais moi j'aimais bien faire des blagues, donc j'ai dit allons-y. Elle était belle? Ouais, elle était mignonne. Elle était fraîche? Ah, ouais. Ça... Mais après, du coup, quand elle a dit à sa maman qu'elle est enceinte, elle lui a donné le test et tout. Sur le coup, sa mère a rien dit, et sa mère est allée chercher son père, et lui... Ils ont débarqué chez toi. J'étais debout dans le salon. Non, j'étais là, j'étais chez elle, j'étais debout dans le salon. Son père est arrivé avec une ceinture. Mais j'avais jamais vu les ceintures comme ça. C'est, tu sais, les ceintures, je pense, attribuées aux parents antillais, mais stade légendaire, tu vois. Ouais. C'est la grosse ceinture en cuir avec la boucle. Ah, tu connais. Quoi? Il t'a frappé? Mais moi j'étais au. Bâtard. Et toi, t'as pas dit que c'était un poisson d'avril? Mais moi j'ai pas. Enfin, sur le coup, tu sais, j'ai paniqué. Mais tellement j'ai paniqué, je savais pas quoi faire, donc je suis resté là. Et tu l'as regardé se faire frapper? Mais oui! Et c'est. Ouais, mais pareil, c'est après. Mais tu sais, tu vois le gars, il est énervé et tout machin. Je me dis, si je parle, peut-être que c'est moi qui va frapper. Donc je me suis dit, bon. J'ai dit, désolé. Et après, je sais que je suis rentré chez moi. À l'époque, il y avait. Non, MSN venait d'être fermé. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, ouais, est-ce que ça va? Elle m'a pas répondu. Et pendant 2-3 jours, je l'ai pas vue au lycée. Bah, forcément. Et, du coup, mais je sais même pas ce qu'elle est devenue. Parce que depuis ça, je l'ai pas revue. Sympa vos histoires, vraiment, wow. Franchement. Là, et toi, c'est... Balou? Ouais, mais. Allez. Oh. J'avais une ex qui m'a fait un poisson d'avril, en fait, et ça a mal tourné. C'est, elle m'a envoyé un message pour me faire croire qu'elle m'avait trompé. Sauf que moi, je l'ai bloqué de partout. Et j'ai baisé une meuf. Ok. Et il s'avère que cette meuf, c'était sa meilleure amie. Oh merde. Moi, tu connais, moi, je suis un rageux de ouf. Hein. Moi, je suis un rageux de ouf. Ça veut dire que, vas-y, je l'ai bloqué partout quand elle m'a dit ça. J'ai même pas réfléchi au 1er avril. Moi, pour moi, personne fait des blagues de 1er avril. Tu vois, ça existe pas. Ah, je bloqué partout. J'ai appelé sa pote. J'ai dit, ouais, ça dit quoi? Vas-y, viens m'aider à réviser tout ça. Non. Elle est venue chez moi. Elle me fait, ouais. Arrête, tu connais, baisser les fenêtres. Enfin, voilà, tu vois. Et après, c'est parti en couille. Et après, quand je suis arrivé au lycée et tout, moi, je l'ai pas calculé, tu vois. J'ai pas calculé la meuf en question et tout. Et après, elle m'a dit, elle était là, elle me disait, ouais, mais si je rigolais et tout, poisson d'avril. Après, j'ai dit, quoi? Elle m'a dit, poisson d'avril. Après, je fais, ok. Après, je suis allé voir sa pote, j'ai dit, toi, tu parles, je te nique ta race. On n'a rien fait, il s'est rien passé, je te connais même pas. Et après, bon, on était tous dans la même classe, donc vas-y, il y avait un petit malaise, tu vois, de temps en temps. C'était grave, ouais. Mais bon, rien ne s'est su. T'es la victime un peu, toi. Hein ah, là, je suis la victime. Dans l'histoire, encore une fois. Tu vois bien que je suis la victime. Ouais, c'est vrai. C'est là où tu t'es retrouvé dans la classe avec deux meufs que t'avais, c'est ça? Non, c'est une autre fois, mais... Wow. Bref, dans tous les cas, j'étais la victime. Là, clairement, j'étais la victime ou pas? Mais arrête! Non, c'est pas par rapport à ça que je rigole, c'est juste tes mouvements de bras, je les trouve bien. Encore une fois, vous me saoulez à baiser des meufs par ego. Voilà, qui? J'ai encore de l'ego là! Non, y'a pas d'ego. C'est pas de l'ego. Okay, voilà. Là, c'est pas du tout de l'ego. Moi, j'ai... Elle me plaisait depuis longtemps. Et là, c'était fini avec ma meuf. Et en plus, elle m'a trompé. Donc là, je me suis dit. Elle l'a pas fait parce que t'avais la haine qu'elle
qu'elle t'avait trompé. Elle t'a aidé à réviser. Elle m'a aidé à la base, je sais pas. De ouf, hein. Sans ça, je serais peut-être pas ici. Hein. Ouais. À drop the sans, sans avoir révisé, je serais peut-être pas ici. Hein. Bah oui. Ah, il l'a révisé. Hein. Ah, j'ai révisé de ouf. Hein. Oh là là. du coup, on va enchaîner avec la minute Fodjé et rester connecté. C'est parti. Turn up. Yo, nouveau son de Louis Aoda, aime-moi, dispo sur toutes les plateformes de streaming. Le lien est dans la description YouTube. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Je me disais obligé qu'on s'en sorte. Toutes ces chaînes et ces chiennes, au-delà y'a que l'amour qu'on emporte. Alors aime-moi pour de vrai, aime-moi sans jamais me craindre. Je vais vous parler du 1er jour, enfin du 1er avril, hein, le 1er avril, vous avez compris, poisson d'avril, bah c'est le pire poisson d'avril de toute ma vie. Bon, j'ai eu un petit blanc là sur mon texte, bref, bon, j'étais en cours à ce moment-là, c'était en 2004-2005, voilà, j'étais en quelle classe là, merde, j'étais en 4e, voilà, première fois que j'ai eu mon téléphone en 4e, bon, ça sert à rien de juger, je sais que vous, à la crèche, vous avez des Apple Watch, tout ce que vous voulez, mais moi, premier téléphone, 3310, 4e. Et à cette époque, quand je recevais un appel sur mon téléphone, c'était obligatoirement ma mère. Désolé, il y a des petits bugs. C'était obligatoirement ma mère. Bon, voilà, vous allez juger, ouais, faut dire, il a pas de meuf et tout, nanana, en 4e. C'est pas votre problème. Voilà, en 4e, si mon téléphone, il sonne, où que je sois, c'est que c'est ma mère. Et quand elle m'appelle, c'est souvent pour un truc de malade. Ouais, ton oncle, il est amputé. Ouais, tu vois, que des trucs de ouf. Donc, je suis en classe, je réponds. Hein, normal, parce que ma mère, elle m'appelle que pour des urgences de malade. Voilà, du coup, on est le 1er avril. Normalement, on est censé pas avoir cours, mais on avait cours. Tac, je réponds. Mais attends, depuis quand t'as pas cours le 1er avril? C'est pas jour férié, hein. Ouais. Donc, là, je réponds. Ouais, allô, madame, désolé, c'est ma mère et tout, c'est urgent et tout, tac et tout. Et ma mère, elle prend une petite voix. Ouais, faut dire, faut vite que t'ailles chercher les enfants à l'école, là, vite, je suis dans la merde, dépêche-toi, vas-y. Vous faites quoi à ma place? Bah, j'y vais. Ouais, j'y vais. Voilà, dude, c'est ce que je fais. Donc, je prends mes affaires. Moi, madame, ouais, t'inquiète, si, ouais. Donc, je m'en vais, tu vois. Je vais chercher mes petits frères et mes petites sœurs. J'arrive à la baraque, tac et tout. La porte est sonne. Je vois, c'est les keufs. Ouais. Les keufs qui arrivent à la baraque. Ils me disent, ouais, voilà, votre mère, elle a été attrapée donc, dans un centre commercial. Parce que, voilà, ma mère, elle avait volé ce jour-là. Mais attends, c'est vrai ce que tu racontes? Hein? Mais c'est pas un poisson d'avril, là? Si. Ok. C'est le pire 1er avril, poisson d'avril, que j'ai jamais vécu. Okay. C'est ça que je suis en train de vous raconter. Ok, vas-y, continue. Du coup, ma mère, elle a volé dans un magasin, et la police est arrivée chez moi, et ils ont voulu nous ramener aux services sociaux. Truc de malade. Mais attends, mais c'est pas un poisson d'avril, moi? Mais c'est ça que je suis en train de te dire, là. Je suis en train de vous dire le pire 1er avril, poisson d'avril que j'ai jamais vécu. Mais attends, mais c'est compliqué. Attends, mais pose pas de questions, laisse-moi terminer. Vas-y. Voilà, laissez-moi terminer. Voilà, donc ils arrivent à la baraque, trois keufs, ils arrivent dans le salon et tout. Ils voient que. Enfin, ils voient, pardon, parce qu'ils voient, il sait pas français. Ils voient que je m'occupe parfaitement de mes petits frères. Et les mecs, ils sont choqués. Les policiers, ils sont choqués. Ils commencent à appeler les services sociaux en disant ouais, bon, c'est vrai, monsieur, tu t'occupes bien de tes petits frères et tes petites sœurs. Mais ta mère, c'est une voleuse quand même. Hein, voilà, donc. Voilà, elle avait volé quoi? Hein? Pourquoi tu poses des questions? c'est bon. Ah, je sais ce qu'elle a volé. Vas-y. Non, non, mais c'est bon, je comprends non, pas. Non, c'est vas-y, pas, vas-y. C'est pas question, c'est pas question pour un. Vous avez pas compris le sketch, c'est ça? Vous avez pas compris? Mais c'était le 1er avril. Non, c'est bon. Non, vas-y, Comment ça, vas-y? Vas-y quoi? Vous comprenez quoi? Vous me posez des questions, vous me coupez tout le temps. Vas-y, quoi, vas-y, excuse, excuse. Ils ont dit quoi, tu vas-y. 1er avril, c'est le pire poisson d'avril. C'est le pire poisson d'avril de ton 1er avril, vas-y. Ça sert plus à rien, là, vous m'avez sorti du truc. Hein. Mais non. Remets-toi dans le truc, ta mère, du coup. Mais non, mais c'est... Ta mère, dis. Non, les policiers, ils ont dit, tu t'occupes bien de tes frères et sœurs. Bah du coup, voilà, hein. ils sont... Ah, vous, t'avais pas de chute? Si, il y avait une chute, c'est que mon beau-père, il est arrivé, il a commencé à leur parler en rebeu, et du coup, mais vas-y, c'est bon, c'est... Attends, mais ton beau-père, attends, ton père, c'est un rebeu? Mais c'est bon, c'est bon. C'est un rebeu? Non, non, c'est un malien qui sait parler arabe. Voilà, vas-y, c'est bon, vas-y. Attends, c'est une vraie histoire? Ouais, tout est vrai. Vas-y. Non, tout est vrai, vas-y.
Non mais là vous m'avez sorti du truc de ouf. Non mais moi je pensais que c'est mort, c'est mort. Ah ouais, ouais bon ben désolé. Mais attends, c'est quoi la fin? Ouais, la fin, voilà, voilà. Donc là, c'est parti pour le défi. Voilà, comme vous avez pu le voir, mes compatriotes ici même n'ont pas voulu me laisser faire mon sketch comme je le pouvais. Attends, mais la chute, c'est pas qu'elle a volé du poisson? Quoi? Du coup, on va tout de suite passer au défi. Il a fait... C'est parti! Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération! Go, daddy! Bon, c'est parti pour le défi et pour le coup, c'est une idée de Logan, l'homme du basket de l'équipe, qui a décidé de faire un défi qui va s'appeler « Dans ta tasse ». Alors, c'est simple. Alors, il va y avoir toujours l'équipe Est contre l'équipe Ouest. Je vais vous demander de rapprocher les tasses le plus proche, limite de les coller, quoi, les tasses. Voilà, on va les coller. Collez vos tasses. Non, mais pas dans ma main. Collez vos tasses, voilà, comme ça. Et en fait, chaque équipe va écrire des défis, des gages pour l'autre équipe. Et en fait, voilà. Fauci va lancer une boulette de papier avec un défi dedans. La tasse dans laquelle la boulette de papier arrive aura un défi. Et si jamais ça n'arrive pas, ça va être toi qui va devoir faire le gage. Ton propre défi. Ton propre défi. C'est cool ? Ouais. C'est cool pour tout le monde ? Cool pour tout le monde ? Ok, vous avez 3 essais par tasse. C'est parti, on va commencer par Fauci. Allez, Fauci, tu commences. Concentration de Fauci. Oh, c'était un grand shooter, grand shooter, grand shooter. Grand shooter. Oh, ok. Deuxième essai. On a droit à 3 lancers. 3 lancers. Ouais, 3 lancers. Oh, yes. Là, je sais pas ce que c'était. Alors, Emma, tu vas éviter de casser le matériel, s'il te plaît. Et dernier essai. Oh, on y va. Allez. On se calme, on se calme, on se calme. En plus, il voulait que ce soit pour moi. C'est le rideau, le rideau, le rideau, le rideau. On se calme. Je vais lire. Suce ton pouce comme si c'était une bite. Oh, shit. Oh, ah là 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 là. On va te demander de venir devant quand même. Ah oh, putain. Suce ton pouce comme si c'était une bite. En regardant la caméra, bien sûr. Ah, oh, c'est gênant de ouf. Laisse-moi zoom, zoom. Oh, mon Dieu. Ah. Non, non. C'est pas comme ça qu'on suce une bite. Ah, non, mais ça Fauci, je te hais, la tête de homme. La tête de homme. Bien joué, Fauci. La bon, tête de homme. À ton tour, Emma, du coup. T'inquiète. On y va, Emma. Oh. Emma, il a un petit shoot à la Dirk Nowitzki hein, en cloche. Fou. Shaquille O'Neal. Casse le poignet. Ah. Alors, Emma, tu vas ouvrir ton. Je sais même pas si c'était. Vas-y, pas. Alors, Emma, en quelle langue t'as écrit? Fais, ah, fais 15 pompes, c'est ça? Ouais. Ah ouais. Fais 15 pompes, on y va. Emma, 15 pompes. Emma. Allez, mon gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça fait qu'elle trompe, tout trompe. 14, 15. Ça va? Ouais, calme. Ça va, ok. Ça va, même tes jambes. Bon, alors on va autour de Logan. On m'appelle Curry, moi. Le basketteur de l'équipe, Logan, oh, attention. Putain, la honte si tu rates. Attention. Pas moi, s'il te plaît. Oh. 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 Non, mais là, Emma, tu renvoies le truc là-bas. Ah, il vient de faire 15 pompes. Ok, attention, attention, attention. Oh, il a tenté avec la planche. Il s'est pas réussi. On y va. Allez, mon gars. Le basketteur de l'équipe. Oh, oh. Allez, donc, je vais le lire. Culé, va. Putain, j'aime plus c'était quoi, frère. Je vais le lire. Le petit défi de Lolo Lolo. Te mettre à genoux devant moi et dire tu es mon roi. 3 fois. Devant qui, du coup? C'était pour qui, ça? Ah, là, t'es obligé. Ah, devant la malattitude. Ah, vas-y. Ah, il est content, regarde, vas-y. Donc, voilà, mets-toi à genoux devant la malattitude et fais-lui ta déclaration. Trois vas-y, 3 fois. On va faire la même taille.
Oh, il a dit on va faire la même taille. Mon gars, t'as un jeu, j'en ai. Oh. Oh, shit. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh putain. Ok. C'était spécial. Grosse grosse force à Louis Oda qui est avec nous. D'ailleurs, il y a bientôt une annonce de Louis Oda. Gang gang. Gang gang. Louis, tu veux dire un truc à la caméra ? On est ensemble. Ok, je me lance ? Vas-y, tu te lances. Enfin non, c'est le papier que tu lances. Parce que je sais pas si tu rentres dans la tasse, toi. Oh, les bâtards. Quoique, hein. Ouh. Ok, toi, t'as un petit shoot à la Antetokounmpo. Ouh. Il a compris le système de la cloche. Il faut qu'il rentre, celui-là. Il a compris le système de la cloche. C'est en mode Kate Thompson. Pour l'instant, c'est faux, j'ai le plus chaud. On va... Oh, la cloche. Ah allez, allez, on y va. C'est toi qui fais. Qu'ils ont tu vas faire ton propre gage. Danse Guara et Shaku Shaku. Ça va. Ça va. Danse Guara et Shaku Shaku. Ça veut dire l'autre, il est hardcore. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. En fait, il voulait le faire. Il voulait juste montrer que c'est dansé. Ouais, j'écris ça, mais voilà, tu vois. Dernier essai, ça va se passer avec Alissa. Alisha, my bad. Alisha, c'est parti, à toi de jouer, premier shoot. Elle est assez loin quand même, Alisha. Hein. Ouais. Tu peux te mettre à la place de Logan, si tu veux. Donc là, on est autour d'Alisha. C'est autour d'Alisha, on va voir son style de shoot. Donc, grande joueuse de basket. Ouais. Tire en l'air. Arrête, ne me stressez pas. Aïe aïe aïe. Bon, Alisha a visé directement Yoshi. Désolé. On accompagne. Si tu... Non mais accompagne bien. Moins fort. Ah là là. Fais le mouvement avant. Okay. Moins fort. Tu peux décaler le micro si tu gênes. Ouais, c'est vrai, ça gêne. Arrêtez, vous me stressez. Boum. Allez, autour d'Alisha. C'est dommage. Vas-y, je vais lire le gage. Tweeter, j'ai un petit zizi. Oh. Ah ben. Bon ben. Let's go. Je me suis mis à la place de vous. Bah, tu vas tweeter que t'as un petit zizi. Fort, hein. J'avoue, j'aurais eu le seum, hein, Yoshi. Hein. Elle t'aurait eu, j'aurais eu le seum. Ouais. J'ai un petit zizi. Même moi. Hashtag French Plug Show, bien sûr. Hashtag French Plug Show, bien sûr. Ah ouais. Airball. Ah ouais, genre, c'est moi. Il me regarde en mode ramasseur de balles. Tu sais quoi. Genre, il a shooté. Vas-y, Balou. Ah ouais, lui. Il shoot comme Ben Simon, lui, là. Ah ouais, putain, c'est. Tu mets des briques, toi. Concentre-toi un peu, Yoshi. Concentre-toi. Non, ça, c'est des mythes, hein, ce que tu fais. Ta gueule. C'est parti, Yoshi. Putain. Ah, j'adore. Tu vises le French Plug ou vas-y. Le trou. Mais il gros, attends, en plus, il est alors, hardcore, le mien. Celui-là, je crois, il est hardcore d'ouf. Hein. Alors. Il a pris une poche. Et... Wow. Lèche le crâne de la malle. Putain, au milieu, zère. Je vais avoir des boutons pour allez, rien. Allez. Tu dois lécher le crâne de la main. Avec ta langue et tout, hein. La main d'attitude. Avec la langue, tout ça. Versus Yoshi. Léchage de crâne. Mais de toute façon, en gros, tu t'appelles Yoshi, donc. J'ai pas besoin de faire de shampoing, enculé. Premier combat. Tu lèches vers où? De la base jusqu'à. Non. Jusqu'au fond. Tu dois lécher son crâne. Vas-y. On dirait que tu parles du cul d'un. Allez. Pense à Barthez. Allez, avec la langue, hein. Et enlève tes mains. Enlève tes mains, faut qu'on voit. Non. Bon, il a pas vraiment léché, il a titillé. C'est bon. Bon, du coup, on va pas faire de deuxième tour parce que vous êtes nuls. Hein. Ouais. Mais Badou, c'est comment toi? Moi, je veux bien. Envoyez-moi des boules là, moi, je veux bien tenter. Sur qui? Et après, vous tentez sur moi. J'en tente un. Vas-y. Je tente trois ici. Ok, allez, okay. C'est parti. Mais attends, t'es proche du ouf là. Hein? Ok, vas-y. Ok, il compte pas. Si, il compte. Non, t'as dit je suis proche de ouf, donc je me mets de ce côté-là. Vas-y, Kobe. Si, t'es relou. Allez, compte pas. Je me mets de ce côté-là, c'est parti. J'en ai deux. Ah, ok. Il a dit, il en fait trois. Allez, c'est parti. Si tu ranges. Ah oui, t'inquiète, choisis. On y va, la première tentative. Yeah. Oh, c'est tendu, hein. Oh yeah. Ah, en tout cas, j'ai vu que c'est là-bas que tu veux. Ok, j'entends une dernière, allez. Une dernière. Ah. Vas-y, passe celle-là, je la fais. Non, c'était celle-là. Bah, n'importe, vas-y. Ok, c'est toi qui vois. Vas-y, je la fais celle-là. Pas,
C'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Toi, au hasard, tu les mets, quoi. Vraiment débile. Ok, bon. Laisse-moi tweeter sur ton compte. Waouh. Je sais pas. Qui est... Je sais pas. C'est toi. Non, c'est pas moi. Ah, peut-être c'est moi, en fait. Bon, tu veux tweeter sur mon compte? Allez, tweet. Allez, mets ton petit tweet. Ok. Belek. Hein. Ouais, fais Belek. Belek. Il y a une Belek, ambiance bizarre qui s'est installée. Belek, est-ce que tout tweet? Est-ce que tout tweet? Ah, il est nul, tu trouves? Ouais, il fait la merde. Bon, alors je retente un et je le fais. Vas-y, je retente un. Vas-y, retente un, fais-le. Vas-y. Inch'Allah, c'est le mien. Ah, je le tente trois fois ou une fois? Vas-y, commence pas, Valou. Commence pas, commence pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais, il fait? Oh, vas-y, encore vas-y, vas-y, c'est beau, c'est bien. Bien. Non, mais là, ça y est, là. Celle-là, t'es en train de faire la même chose que. C'est quoi Léo ce qu'il doit faire là? Voilà, voilà, ça y est, c'est bon. C'est quoi c'est qu'il mort. Doit faire? Oh, voilà, c'est bon. Non, c'est ça compte beau, pas. Ça compte pas. Vas-y, il doit faire celui que t'as dans les mains là, celui-là. Ok, c'était le French Bug Show. Voilà, c'est pas un peu mieux. C'était quoi celui que j'ai eu? Danse le coupé décalé. Ah, c'est moi, en plus, c'était pour toi. Un 16 mesures. Un 16 mesures. Je dois faire un 16 mesures, c'est un ça 16 mesures, ouais. Vraiment nul vos défis. Hein. J'avoue, moi, il est nul. Moi, je mets okay. Des trucs de ouf. La chance, hein. Le mien, il était pas mal. Ok, vas-y, un 16 mesures. 1. Ok. Non, on n'a pas besoin de beat. A cappella. 1. De quoi? Il y avait quoi écrit? Il y avait écrit quoi? Fauji fait un strip. Ouais, c'est bizarre. C'est aimant. Tu voulais un strip de Fodje? Wow. C'est quoi mon défi là? Je dois faire quoi, un 16 mesures? Ouais. 16 mesures. Ok. 1. Là, j'ai pas besoin de beat, rien. C'est parti. C'est l'année, le monde, mani, mani, mon animal, ton animal, t'es mini, mais ton man, ton man, man. Ici, man, t'es dans mon domaine. Ok. Oh wow. C'est, il est chaud, c'est un 16 de ouf. C'est un 16 de ouf, sauf que je suis allé grave vite. Ah, okay. Je suis allé grave vite, bon. Voilà. Ouais. C'est un 16, c'est un 16. Wow. C'était le French, French Plug Show. Allez, je tente une dernière, on est ensemble. Comme d'hab. What the fuck is going on? Ça part en bataille ou quoi? Ça lance des violences. Hey, ouais, coupez, coupez, il peut pas lancer la tasse là. C'était le French Plug Show, on est ensemble. Turn up.